le soleil, notre étoile, puissant, créateur, destructeur, que nous le voulions ou non, nous sommes ses enfants. Que nous le voulions ou non, il est notre roi. Comme un bon père, diligent et attentif, il œuvre pour notre bien. Sous le regard de son œil admirable, nous construisons, nous bâtissons, nous nous réunissons à la gloire de sa lumière éternelle. Oh, 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 oh. Joyeux Noël, les enfants! Joyeux Noël, Père Noël! Oh, 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 oh. Eh bien, avant de vous jeter sur vos cadeaux comme des enfants mal élevés, nous allons parler de Noël. Oh non! On peut pas juste vous chanter une chanson? Allons, allons, vous allez voir, ça va être très amusant. Pour commencer, est-ce que l'un de vous peut me dire ce que nous célébrons à Noël? Moi, moi, moi! Oui, vas-y, petit Judas. Eh bien, à Noël, nous célébrons la naissance du petit Jésus. Oui, très bien. Et qu'est-ce que vous connaissez de Jésus? Moi? Oui, petite Salomé. Eh ben, il était gentil. Oui, très gentil. Moi, moi, moi. Oui, petite Maria. Eh ben, Jésus, il s'est fait crucifier par des méchants hommes parce qu'il disait à tout le monde « Aimez-vous les uns les autres ». C'est juste. Et en plus, Jésus, c'était un super docteur et un super boulanger parce qu'il soignait tout le monde et il donnait à manger à tout le monde gratuitement. Tout à fait. Moi aussi. Oui, Pierrot. Mon père m'a dit aussi qu'à l'époque, les gens travaillaient très dur pour des salaires tout pourris. Et en plus, ils payaient tout le temps des impôts. Alors, Jésus disait à tout le monde, « Suivez-moi, laissez tout tomber et cessez de travailler pour ces gros cons. » Oh, il a dit un gros mot. Gros con. Allons, allons, les enfants. Oh, pardon, mon ami. Les enfants, permettez-moi de vous présenter mon ami Jean-Jean. Oh, il est beau. Bonjour, les enfants. Jean-Jean, c'est un peu bizarre comme prénom pour un cerf. Je suis un renne. Mon papa m'a déjà fait goûter du cerf, mais pas encore du renne. Bref, les enfants, à votre avis, pensez-vous vraiment que Jésus est né un 25 décembre? Eh ben oui. Eh ben non. Car d'après les écritures qui racontent la vie de Jésus, Jésus serait né pendant que les bergers et les moutons étaient encore dans les montagnes, ce qui correspondrait au mieux au mois de septembre ou octobre, et non pas durant la saison d'hiver. Mais alors, on nous aurait menti? Pas tout à fait. C'est bien plus subtil. Pour mieux comprendre, aujourd'hui, il faut faire la distinction entre l'histoire de Jésus, celui qui a réalisé des grandes choses et qui a bouleversé le pouvoir en place, et la différence avec l'allégorie de Jésus le Christ, ce qui est carrément autre chose. Ah, d'accord, j'ai tout compris. On peut avoir les cadeaux maintenant? Oh, mais arrête avec tes cadeaux! Tu vois pas que c'est très important ce qu'il nous explique, là? Oh là là. Ah, mais il est lourd! Vas-y, Jean-Jean! Merci. Je vais essayer de vous la faire courte. 4 siècles environ après la naissance de Jésus, l'Empire de Rome allait très mal, et même presque au bord de la chute. Sauf que l'empereur Constantin, qui se prétendra le premier roi chrétien, y comprendra très vite, et ça grâce à sa mère Hélène, que pour relever son empire et lui donner un nouvel avenir, il lui fallait une nouvelle religion.
C'est alors qu'il s'est mis à raconter qu'une croix lui est apparue dans le ciel et une voix lui aurait dit « Par ce signe, tu soumettras. »« Par ce signe, tu vaincras. »« Non, tu soumettras. »« Tu vaincras. » Bref, en tout cas, ça va être un gros carton. Et croyez-moi qu'à partir de ce jour, beaucoup dans le monde entier vont connaître un vrai enfer. Et savez-vous qui sont qui vont payer les premiers frais? Eh bien, les chrétiens eux-mêmes. Ah bon? Mais c'est bizarre. N'importe quoi. Mais comment ça? Eh bien, parce que comprenez qu'il existait déjà des chrétiens. Mais il y avait plusieurs chrétiens. Il n'existait pas quatre évangiles, mais plusieurs évangiles. C'est alors que Constantin, quand il a rassemblé toute sa clique, il a dit « Écoutez, tout ça, ça m'intéresse, mais c'est le bordel. Nous allons tout regrouper et couper tout ça. Et pour ceux qui ne seront pas contents, eh bien, pas de bras, pas de chocolat. » Oh, mais c'est horrible! Mais quel rapport avec Noël? Justement, j'y arrive. Et bien maintenant que notre cher Constantin a sa nouvelle religion en poche, son Nouveau Testament écrit avec ses nouveaux copains, maintenant il va falloir l'imposer au monde. Car il n'y a pas d'empire s'il n'existe pas l'idée de s'imposer. Et dans cette idée, Constantin va avoir un coup de génie. Comme il a compris qu'il ne pouvait pas exterminer tout le monde pour imposer sa religion et qu'il ne pouvait pas faire sauter toutes les anciennes fêtes païennes, il a trouvé plus astucieux de se glisser entre elles. C'est comme ça que nous lui devons la fête de Pâques, qui a été calée après l'équinoxe de printemps, un moment très important pour les païens du Nord qui célébraient la renaissance de la nature et la résurrection de leur déesse mère. C'est pourquoi chaque année que nous fêtons Pâques, nous avons le lapin, qui était l'animal emblématique de la déesse Éostre, et le concept de l'œuf que les païens utilisaient pour expliquer la création du monde. Jean-Jean, c'est quoi un équinoxe? Ah, très bonne question. On peut dire que tu as mis le doigt sur la clé de sol. Un équinoxe, c'est le jour quand le soleil se lève exactement en plein est. Cela veut dire que l'équateur de notre chère planète est parfaitement aligné face au soleil. Ce phénomène se produit deux fois dans une année. Le premier, c'est l'équinoxe du printemps. On célèbre alors la renaissance de la nature avec la montée de la lumière. Et le deuxième, l'équinoxe d'automne, qui annonce la fin des récoltes et les jours qui vont raccourcir. Waouh, ils étaient vraiment pas bêtes alors. Et ce n'est pas tout, car ils connaissaient également l'importance des solstices, ce qui va nous amener à notre jolie fête de Noël. Maître, cet homme est venu au monde aveugle. Il a accepté sa vie comme elle est, pourquoi la changer? Car il vit dans les ténèbres. Et aussi longtemps que je suis en ce monde, je suis la lumière du monde. Non, ne touche pas mes yeux, je ne veux pas qu'on les touche. Non, je ne veux pas. Non, non, j'ai mal. Oh, ça me brûle. Donnez-lui un bon bain. Oh, ce sera sûrement la première fois de sa vie. Oui, jetez-le dans le bassin. Il sera propre pour une fois. Je vois clair. Je vois. Je ne suis plus aveugle. C'est un miracle. Je vois ta figure. La tienne aussi. Je peux voir le monde. Mes yeux sont ouverts. Mes frères. Je peux vous voir tous. Oui, vous tous. Eh bien, je crois que maintenant, il est inutile de faire plus de mystères. Surtout que je sais que vous êtes des petits malins, vous avez déjà tout compris. Jésus le Christ et le soleil ne forment qu'une seule et même personne. Puisqu'on nous parle de lumière partout dans les écrits, il faut vraiment être aveugle pour ne pas le voir. Mais comment cela a pu se produire? Voici un calendrier des anciennes fêtes celtiques.
Comme on l'a vu tout à l'heure, les païens vivaient sous l'influence des mouvements solaires. Eh bien, ce n'est pas prêt de changer. Cela continue aujourd'hui et continuera toujours. Peu importe les changements de nos civilisations, comme un bon berger, le soleil nous donne la direction. Voici un groupe de scientifiques, en apparence ils n'ont rien d'extraordinaire. Mais si on s'imaginait dans l'Égypte antique, eh bien ils seraient pour nous les prêtres du dieu soleil, car ils partagent exactement la même fonction. Observer le soleil, comprendre son mouvement et surtout connaître ses changements d'humeur. Car les scientifiques savent très bien l'impact du soleil sur la vie et l'évolution de nos civilisations. D'ailleurs, le Vatican lui-même a investi des millions pour avoir son propre observatoire. Revenons chez nos amis les Romains. Voici une pièce d'or romaine frappée en l'an 313 après Jésus-Christ. Sur cette pièce, il figure le buste de l'empereur Constantin et du dieu Sol Invictus, comme quoi Constantin gardera un certain respect pour les anciennes croyances romaines. Le Sol Invictus, en latin le soleil invaincu, était une divinité solaire apparue dans l'Empire romain au IIIe siècle. Elle reprend des aspects de mythologie d'Apollon et du culte de Mithra. Devenant très populaire dans l'armée romaine, il sera le grand patron de l'Empire de Rome. Son culte sera célébré chaque année le 25 décembre, le jour de la naissance du soleil. C'est bien plus tard, en l'an 380 après Jésus-Christ, que l'empereur Théodose Ier interdit définitivement le culte de Sol Invictus, faisant du 25 décembre une fête chrétienne. Mais que se passe-t-il dans le ciel autour du 25 décembre? Non, pas là. Plus haut. Voilà. Chaque année, entre le 21 et le 22, il arrive ce qu'on appelle le solstice de décembre, le jour le plus court de l'année et la nuit la plus longue. Pour les païens, le soleil semblait vaincu par les ténèbres. Un autre phénomène astronomique, le soleil va se lever trois fois au même endroit comme s'il était figé dans le ciel. C'est après ces trois jours que le soleil va se décaler de quelques degrés et ainsi il va reprendre sa course dans le ciel avec les jours qui se rallongent. C'est la victoire de la lumière contre les ténèbres. C'est vraiment super de voir Noël comme ça. Ah oui alors, je préfère beaucoup mieux imaginer Jésus comme le soleil que ce pauvre Jésus sur la croix. Ah oui, moi ça m'a toujours fait peur. Tout ce sang. Et vous avez parfaitement raison. N'oublions pas que les Romains réservaient la crucifixion aux ennemis de l'Empire. C'était un moyen de donner l'exemple. Vous refusez d'obéir, voilà ce qui vous attend. C'est quand même énorme! 2000 ans de prosternation devant un instrument de torture. Calme-toi, mon Jean-Jean. Tiens, bois un coup. Merci. Et Jean-Jean, le sapin de Noël dans tout ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ah, très bonne question. Le sapin de Noël nous vient d'une tradition païenne nordique. Il symbolise l'arbre du monde, qui était aussi appelé Yggdrasil, l'arbre cosmique, reliant les différentes parties de l'univers et de notre monde. L'étoile au sommet du sapin rappelle les chrétiens l'étoile de Bethléem, qui guida les rois mages vers le lieu de naissance de l'enfant Jésus. Mais pour les païens, l'étoile au sommet du sapin représente l'étoile polaire, car vu de notre point de vue terrestre, tout semble tourner autour d'elle. L'arbre cosmique serait donc l'axe de notre monde qui nous lie jusqu'à l'étoile. Comme vous devez le savoir, l'étoile polaire fait partie de la constellation de la Petite Ourse. Mais voyez plutôt, trouvez-vous vraiment que ça ressemble à un ours? Bah non, pas trop, non. Pas vraiment. Et si je tourne comme ça?
On dirait un chariot. Et si j'ajoute ceci? Ah, oh, mais c'est le Père Noël. Mais oui, le Père Noël sur son char. Et savez-vous qui voyageait également dans le ciel sur un char? Eh bien, le dieu Solivictus, mais aussi le dieu Apollon, également un dieu solaire. Ah! Je crois que je suis démasqué. Pour terminer, permettez-moi une interprétation personnelle. Et si l'étoile au sommet du sapin était le soleil? Toutes les boules accrochées autour seraient alors les planètes. Et tout le sapin entier avec toutes les petites lumières serait alors notre système solaire. Ah ouais, ouais. Bravo Jean-Jean. Alors super. Ah ouais. À partir de maintenant, je vais voir différemment Noël. Quelle histoire. Merci les enfants. Et maintenant, je n'ai plus qu'à vous souhaiter un joyeux Noël.